Alors, moi, c'était une intervention non, enfin, qui a un rapport avec cette délibération, parce que dans ce rapport numéro 16, vous évoquez le changement des horaires des garderies. Donc, nous avons évoqué ça en commission enseignement, à laquelle j'ai participé la semaine dernière. Et donc, pour ce qui est des horaires de la garderie du soir qui passe de 18h30 à 18h et le mercredi de 13h à 12h30, effectivement, les arguments que vous avez avancés, qui sont la faible fréquentation sur ces horaires-là, je comprends tout à fait que par mesure d'économie, parce que pour garder deux ou trois enfants, payer deux personnels municipaux, ça, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on fait avec l'argent public. En revanche, vous avez donc parlé de la suppression des études surveillées. Pour des raisons que je peux comprendre aussi, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'enseignants qui peuvent assurer les études surveillées donc de 4h moins le quart à 4h30, 15h45, 16h30. Il y a quelques mois, j'étais déjà intervenue dans ce conseil municipal, ici même, pour m'opposer au premier tarif que vous vouliez proposer aux enseignants, qui était un tarif équivalent à celui du personnel municipal pour assurer la garderie et les études surveillées pour encadrer les enfants qui faisaient les devoirs. Sachant qu'il n'était pas question de dénigrer le personnel municipal, pas du tout, mais que la compétence des enseignants faisait qu'ils étaient à même et formé pour prendre en charge les études surveillées, donc la difficulté scolaire, le soutien scolaire, et que ça me semblait être un temps extrêmement privilégié, justement, pour aider les enfants, notamment les plus faibles. Donc vous êtes revenu sur ce tarif, puisque vous avez proposé un tarif tout à fait honorable aux enseignants, et que les études surveillées ont pu exister jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, vous rencontrez une difficulté, c'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre du personnel municipal, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants pour assurer l'ensemble des garderies. Donc moi, je vous ai proposé en commission de l'enseignement de demander aux enseignants de maternelle, puisque ce sont des enseignants qui sont formés exactement de la même manière que les enseignants élémentaires, de prendre en charge, de participer à ces études surveillées. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier les objectifs de l'école. Ce n'est pas une garderie, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas le club méditerranéen où on fait du sport. L'objectif, c'est quand même d'amener une cohorte d'enfants à la maîtrise d'un socle commun de compétences et de connaissances, et que l'objectif principal, c'est de les aider au niveau d'un soutien scolaire. Et qu'à mon avis, s'il y a des économies à faire, ce n'est pas du tout sur ce temps-là. Donc, je vous ai proposé de demander de mener une enquête auprès des enseignants, de l'ensemble des enseignants de la commune, et puis de réorganiser les études surveillées, voire même peut-être de supprimer le vendredi soir. C'est quelque chose c'est une idée qui est venue après au sein de mon équipe, parce qu'on en a parlé ensemble, voire même de supprimer cette étude surveillée le vendredi soir, pour réduire sur 3 soirs par semaine, ce qui permettrait peut-être d'avoir une mobilisation des enseignants plus importante, mais que les enfants, quand ils quittent l'école et qu'ils rentrent chez eux, pour certains à 18h, n'aient pas en plus le souci des devoirs, et surtout dans certaines familles, les plus démunies, des familles qui ne peuvent pas aider ces enfants-là. Vous m'avez répondu qu'il y avait la maison sociale, certes, mais je crois quand même que l'école est un endroit où on doit faire ses devoirs, où on le fait avec du personnel enseignant qualifié, et que c'est le meilleur lieu pour pouvoir terminer la journée et pouvoir faire ses devoirs sur ce lieu-là. Voilà, donc je sais que ce n'est pas exactement, la teneur du rapport, c'est de voter notre règlement intérieur. Donc on s'abstiendra sur cette délibération parce qu'il y a à l'intérieur ce changement au niveau des études surveillées et que nous demandons, alors est-ce qu'on peut le faire ou pas ce soir, de nous demander de retirer cette délibération pour continuer à fonctionner, peut-être qu'on est obligé de la laisser, mais par contre on vous demande de travailler à la rentrée avec les parents d'élèves. Je sais que vous avez des réunions vendredi avec les parents d'élèves, pour essayer d'organiser ces études surveillées au moins 3 soirs par semaine. Je vous remercie.